Bienvenue à cette première session d'un webinaire sur le métal prélaqué. Et merci à tous d'avoir répondu présent. L'objectif, c'est de vous faire découvrir ce que c'est que le prélaqué. Deux présentateurs vont faire le tour du sujet, des sujets un peu techniques, des sujets autour de la couleur, des sujets autour des applications du prélaqué. Vous aurez l'opportunité de poser des questions en fin de session. Et puis, on enregistre également le webinaire pour vous le rendre accessible par la suite. Dans la mesure où c'est la première session, ce qu'on va essayer de faire également à la suite du webinaire, c'est de vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction pour savoir comment vous avez trouvé le contenu, la forme du webinaire, et puis peut-être des suggestions d'amélioration ou de sujets qu'on pourrait aborder dans le futur. Voilà, donc moi-même je suis le président du groupe français de l'ECCA. Je m'appelle Christophe Perrin. Je suis également employé de la société Becker, qui est un des membres de l'association. Le slide suivant, Guillaume, s'il te plaît. Guillaume, si tu pouvais passer au slide suivant. C'est le cas, je ne comprends pas. Ah, il bouge pas. Moi, je vois le slide suivant. Ah, tu le vois. Bon, Oui. moi je suis. OK. Moi aussi. Donc, en quelques mots, le CCA, donc c'est l'association qui regroupe tous les acteurs de la filière industrielle du métal prélaqué. Donc, ce sont les prélaqueurs et leurs fournisseurs. Le groupe français existe depuis plus de 50 ans. Il a 12 membres à son actif actuellement. Et ce qu'on fait, on a différentes initiatives ou actions qui visent à faire la promotion du métal prélaqué, à défendre les intérêts du métal prélaqué, et à former également des étudiants en architecture autour du matériau. Voilà. Donc je vais laisser la main aux deux présentateurs, à savoir Peggy Schuller qui travaille chez ArcelorMittal et puis Guillaume Ballot qui travaille chez Arconic. Donc deux prélaqueurs, un prélaqueur acier ArcelorMittal et un prélaqueur aluminium Arconic. Voilà, je vous laisse la main, mesdames et messieurs, et bon webinaire à tous. Merci Christophe. Donc je prends la main. Donc je suis Guillaume Ballot, société Arconic. Et donc je vais commencer le webinaire par en fait vous expliquer un petit peu où se situe le prélaquage dans la chaîne industrielle ou de fabrication. Donc si on prend de façon très schématique les grandes étapes de la mise en peinture ou de la transformation du métal. Donc, on a le métal, l'approvisionnement du métal au tout départ. On a sa mise en forme par pliage, par soudage, emboutissage, cintrage ou autres techniques, estampage ou autres. Et ensuite, on a une installation sur chantier ou sur le bâtiment voulu. La mise en peinture peut avoir lieu à différentes étapes de ce process très schématique. Si la mise en peinture est réalisée à la toute fin, après installation sur chantier, et finalement, on fait appel à des peintres en bâtiment, de façon générale, on appelle ça, en tout cas dans notre jargon, du post-laquage sur chantier, où la peinture est appliquée à froid et polymérise également à froid, à température ambiante, séchage à l'air. Si la peinture est réalisée après la mise en forme du métal, et avant l'installation, donc en atelier, avant l'installation sur le bâtiment, on parle également de post-laquage dans ces cas-là, post-mise en forme, ou de façon plus générale ou d'un terme commun de thermolaquage. Alors dans ce cas-là, la matière, on voit sur la photo, on voit des clins ou des lames pliées qui sont peintes en aspersion, en peinture poudre, donc thermolaquées, donc qui vont subir une cuisson ensuite dans un four pour être ensuite livrées sur chantier et installées. Si on se place encore un petit peu plus en retrait
du chantier finalement dans la chaîne de valeur. Et si on met la peinture sur le métal avant même de la mettre en forme, avant de la plier, de la cintrer ou de l'emboutir, alors on va parler de prélaquage. On prélaque la bande de métal, acier ou aluminium, pour ensuite, avant la mise en forme, avant le travail du métal. Donc là, vous voyez une photo d'une ligne de prélaquage classique, en l'occurrence celle de Arconic Merxheim. Si on regarde les différentes techniques et des grandes caractéristiques, on ne les a pas listées toutes ici, on se rend compte que le post-laquage, on va dire l'application de peinture sur chantier va se faire à température ambiante, avec des épaisseurs qui vont être assez variables, supérieures à 100 microns et peut-être variables d'un endroit du bâtiment à un autre. Du fait de la polymérisation ou du séchage, de la prise à froid, la durabilité du revêtement est souvent très amoindrie, car les propriétés du revêtement ne sont pas optimales. Par contre, les tranches ou les tout angles saillants ou toute découpe peut être couverte avec cette technique. Si on part plutôt en post-laquage ou thermolaquage après la mise en forme, on est sur une polymérisation à chaud, donc on a une durabilité du revêtement beaucoup plus importante, une épaisseur de peinture qui est un peu plus maîtrisée, qui reste en technologie principalement poudre, donc des épaisseurs assez fortes, vers les 100 microns, et une couverture de tranche également. Le prélaquage qui nous intéresse aujourd'hui va être également en température, donc on parle vraiment de laquage, avec des épaisseurs faible déposé, en tout cas sur le prélaquage peinture liquide, donc un optimum côté application peinture, et une durabilité revêtement du fait de la cuisson haute température et des formulations de revêtement assez longues. Par contre, la couverture des tranches n'est pas possible du fait de la transformation après le laquage du métal. D'un point de vue coût, très rapidement, la peinture, dans tous les cas, donc, si on parle de poudre ou de liquide, il y a une optimisation plutôt sur le côté prélaquage, du fait que l'on vient laquer en continu sur la bande, seulement sur la bande de métal, alors que les autres techniques après mise en forme viennent par projection ou aspersion. Recouvrir toutes les surfaces du métal transformé, et donc il va y avoir une perte plus ou moins grande de peinture. La main d'œuvre est également beaucoup plus importante lorsqu'on travaille sur le chantier, du fait de la préparation de surface et du temps de mise en œuvre ou de masquage qui est nécessaire, alors qu'en atelier, en préfabrication, qu'on soit en post-laquage, thermolaquage ou en prélaquage, ces temps-là sont réduits. Et ensuite, côté contrainte sur site, donc on est sur la même idée, c'est-à-dire que on peut livrer directement des éléments transformés, prêts à être installés, assemblés sur le chantier, là où la peinture, la mise en peinture sur site demande beaucoup plus d'immobilisation du chantier. Donc si on essaie de résumer très rapidement, le prélaquage fait partie des techniques des plus écologiques, car permet une filière sèche pour l'utilisateur final, permet l'utilisation de produits recyclés, on parle de façon générale, d'optimiser surtout les ressources utilisées côté peinture par exemple, et on a des rejets très limités sur site, ce qui n'est pas forcément le cas sur une mise en peinture en chantier à froid, séchage à l'air. Le budget est forcément contrôlé, on est en phase industrielle, en tout cas en milieu industriel, avec un laquage ou une mise en peinture en continu des bandes de métal. Et pour faire un rappel, donc une contrainte sur site réduite du fait de la préfabrication et de la pré-mise en forme finalement et la pré-mise en peinture de tous les éléments,
qui permet une manutention assez rapide et une pose rapide, donc un faible impact par rapport aux contraintes météo sur chantier. Un petit mot rapidement sur le procédé de fabrication. Très rapidement, donc on utilise des bobines qui peuvent faire jusqu'à 8 à 10 km de long pour les épaisseurs les plus fines, qui vont être finalement en continu déroulées, préparées, la surface va être préparée, c'est-à-dire qu'on va venir nettoyer, dégraisser, puis rincer la bande de métal. Une application de protection anti-corrosion va être mise en continu, puis ensuite une à deux passes classiquement de mise en peinture peuvent être réalisées. Donc une application peinture suivie d'un four pour la polymérisation de la peinture, possiblement une deuxième mise en peinture avec suivi d'un four et un réenroulage de la bobine peinte. Si je vous montre, j'espère que vous verrez la vidéo. Voilà, là on voit la bande qui sort, qui arrive dans les bains de traitement de surface, qui passe très rapidement sur la protection anti-corrosion et va aller donc sur la tête de la cage où, par l'intermédiaire de rouleaux, on applique en continu la peinture et pendant ce temps-là, la bande défile en continu à la même vitesse pour voilà, aller à la deuxième phase de peinture. Un vert d'un côté, un orange de l'autre sur cette vidéo, donc, où on peut laquer donc, les deux faces du métal en même temps avec des teintes différentes. Et donc, la suite du procédé n'est pas On arrête là, ici, il y a juste un réenroulage finalement de la bobine. Donc le matériel ou le matériau se compose ainsi. Donc le métal qui peut être en aluminium ou en acier avec une couche de galvanisation pour la protection, une première protection anti-corrosion. Et des revêtements ou peintures. La face qui est extérieure, visible, est généralement composé de deux couches, un primaire et une finition. Et la face non visible du matériel peut être enduite d'un envers qui peut servir à plusieurs utilisations. On verra donc à la suite dans la présentation. De façon... Et donc, excusez-moi, un film de protection également temporaire peut être appliqué sur la phase de présentation ou extérieure pour finalement protéger la surface de toutes les manipulations qui auront lieu par la suite, donc le cintrage, le pliage, l'emboutissage, toutes les techniques de mise en forme jusqu'à l'installation sur chantier, la pose et ensuite, avant la livraison du bâtiment, pouvoir être décaché facilement pour laisser une surface propre. Sans rayures ni taches, et donc éviter le nettoyage ou du temps supplémentaire pour certaines réparations. Un mot rapidement sur les agressions que le prélaqué, le revêtement va subir pendant sa vie. Donc si on prend un bâtiment qu'on met en milieu naturel, forcément à l'extérieur, dans les terres, on va avoir une dégradation par les UV du soleil, tous les jours de l'année. Une dégradation par l'eau qui est possible avec la pluie, l'humidité ou des infiltrations. Si on le place à côté d'un site industriel conséquent avec des émanations chimiques, il peut y avoir aussi des dégradations par les acides, les sulfures, l'ammoniac, ce qui peut être finalement rejeté par les industries aux alentours. Et si on imagine mettre ce bâtiment en région tropicale ou désertique, eh bien on va augmenter la dégradation du UV, on va augmenter possiblement l'humidité ou les eaux
etc. Donc on va devoir adapter le métal, mais surtout le revêtement, à toutes ces agressions pour venir sélectionner le meilleur et garantir une durabilité, une performance pendant une durée de vie allant de jusqu'à 20, 30, 30 ans, 40 ans dans certains cas. On peut imaginer également que si on place le même bâtiment au bord de la mer, on aura un risque de corrosion également par les embruns salins chargés de chlore, principalement. Donc il faudra également s'en prémunir, en plus de la dégradation par l'eau, les UV ou la région tropicale, comme on vient de voir juste avant. Cela fait une bonne transition pour Peggy qui va reprendre la main et vous parler des caractéristiques et des normes sur nos matériaux. Merci Guillaume. Donc en effet, nos produits sont évidemment soumis à des normes très strictes, hein, des normes européennes pour la plupart, mais aussi dans certains cas des normes françaises. Donc là, on a choisi de vous présenter quelques normes, en tout cas de les citer pour vous expliquer comment nos produits sont caractérisés. Donc il y a une norme européenne, la EN 1069, qui concerne les produits plats en acier revêtu en continu. Donc là, on parle bien d'acier galvanisé pré-laqué. Donc cette norme va définir toute une série de caractéristiques et va définir aussi des tests et des utilisations de produits pré-laqués en fonction justement des conditions climatiques qui ont été définies par Guillaume avant et qui va donc permettre l'utilisation du pré-laqué au bon endroit. Donc on a une norme française qui est la 34301 qui elle est encore plus précise puisqu'elle est vraiment destinée. C'est une norme française qui est destinée à l'utilisation de ce métal acier prélaqué ou revêtu d'un film organique contrecollé, parce que ce que Guillaume n'a pas montré, c'est qu'il existe aussi la possibilité de coller des films sur nos aciers prélaqués. Mais cette norme est spécialement destinée aux bâtiments. Donc là, elle va définir de manière plus stricte quel type de matériel on va pouvoir utiliser, à quel endroit et dans quel type de bâtiment. Il existe également la norme pour l'aluminium. Donc on a équivalent de la 1069, mais pour l'aluminium, donc aluminium et alliage d'aluminium, avec les applications générales et les spécifications aussi concernant l'alu. Alors on a après d'autres normes qui, elles, concernent un ensemble de tests qui permettent de contrôler les propriétés de ces aciers ou de ces aluminiums prélaqués, que ce soit en termes d'épaisseur, de teinte, de brillance, ou alors de résistance en termes de durabilité, donc résistance aux UV, résistance à la corrosion et à l'humidité. Et l'ensemble de ces tests peuvent concerner soit des tests de laboratoire, soit également des tests en conditions réelles avec des expositions sur des sites qui ont été définis dans la norme, comme par exemple certains sites dans le sud de la France ou bien dans les îles concernant la résistance aux UV par exemple. Donc voilà concernant les normes. On ne va pas rentrer dans tout le détail de ces normes, c'est assez complexe et assez lourd. Donc on a juste fait le choix de les citer. Alors concernant le cycle de vie de l'acier et de l'aluminium, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des matériaux qui sont 100% recyclables. Ils sont utilisés pour une large gamme de produits. On parlera spécifiquement aujourd'hui justement des produits destinés aux bâtiments. Mais ils sont évidemment aussi utilisables dans d'autres applications. Donc ce qu'on peut vous montrer sur ce cycle de vie, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'utiliser ces matériaux. En général, on démarre avec l'extraction d'un minerai. Et puis, dans le cas de l'aluminium par électrolyse ou dans le cas de l'acier par l'utilisation d'un haut fourneau, on va utiliser et extraire de ce minerai le matériau de manière plus pure. On a donc tout un cycle qui va débuter avec la fonderie, le laminage, puis comme l'a montré Guillaume juste avant, les étapes de prélaquage. Et une fois qu'on a ces bobines de métal prélaquées, on va les mettre en forme. On va réaliser des profils, des panneaux, des cassettes ou toutes sortes d'éléments de façade. Ils vont
avoir leur vie sur un bâtiment. Puis au terme de X années, hein, par choix esthétique ou par démolition, on va réutiliser, récupérer ces matériaux, les recycler. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'en général, le recyclage de ces matériaux se fait de manière très facile, car ce sont des produits dont le recyclage est intéressant et revalorisé financièrement, hein, donc c'est-à-dire que ce sont des produits qui ont une valeur en termes de scrap, hein, de mitraille, comme on appelle ça. Et on va donc les réutiliser, soit pour les réenfourner dans des fours électriques et refaire des produits par fonderie, ou alors ils vont repartir, dans le cas par exemple de l'acier, dans un cycle de haut fourneau pour utiliser une partie, donc environ jusqu'à 20% de matériel recyclé dans un acier pré-laqué. Donc voilà, donc un cycle continu, c'est important de le spécifier pour l'acier et l'aluminium et de bien mentionner, je pense, cette revalorisation du produit dans sa fin de vie. Ça explique aussi beaucoup qu'on utilise très peu le concept de reuse dans l'acier ou dans l'aluminium, mais qu'on utilise plus le terme de recyclage, comme que ce sont des produits revalorisés, bah, ils rentrent naturellement dans ces filières. On va passer au... Voilà. Donc, une autre caractéristique et une performance importante de ces produits, c'est la réaction au feu. Donc, le cold coating présentait un intérêt. Donc, on a vu avant, par rapport à du post-laqué ou du thermolaquage, on va être dans des épaisseurs de produits organiques relativement faibles sur notre métal. Et cela va avoir directement un impact sur la réaction au feu des matériaux. Donc, ça, qui est un paramètre très important en particulier quand on parle de façade dans la construction. Donc, on a une norme qui permet de définir le classement au feu de ces matériaux. Alors, en général, c'est sous la forme A, B, C, D, puis suivi de la lettre S et de la lettre D. Donc, la lettre S, eh bien, elle signifie smoke en anglais. Donc, elle va quantifier la quantité de fumée qui va se dégager lors de la combustion de cet élément. Et la lettre D, ben, elle est pour droplet, donc la goutte, et donc définir s'il va y avoir des gouttes qui vont se former lors de la combustion aussi du produit. Donc, dans les exemples, en général, si on prend le cas d'un acier galvanisé, qui a été revêtu d'une peinture de type polyester jusqu'à 50 microns d'épaisseur pour cette couche de peinture, on va en général obtenir un classement A1, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'émanation de fumée, de dégagement de fumée, et pas de gouttes qui vont se former. Donc là, en général, quand on parle d'un produit A1, on est vraiment dans une classe qu'on appelle incombustible, qui est très, très intéressante pour une façade. Alors, quand on va augmenter ces épaisseurs, hein, par exemple, si on prend le cas d'un acier galvanisé revêtu d'un matériau plus épais, donc là, on prend une résine type PVC jusqu'à 150 microns. Donc là, on va augmenter à la fois l'épaisseur et la nature de cette résine va dégrader un peu ce classement. Et donc là, par contre, on va avoir un classement CS2D0, où là, on va bien avoir des émanations de fumée qui vont se faire. Donc, l'épaisseur de cette résine, hein, de ce type de prélaqué, va influencer fortement la résistance de notre matériau, ou en tout cas, de sa réaction, disons, au feu. Voilà, ensuite. Ensuite, je vais reprendre la parole, Peggy. Oui. Pour vous parler un peu plus des peintures, en tout cas, on a divisé la présentation en deux grandes parties maintenant. Donc, la peinture, côté mise en couleur ou propriété extérieure, et la partie que Peggy fera juste après, qui est la mise en forme, donc les possibilités de mise en forme du prélaqué et de pose d'installation de système de pose. Donc moi, je vais vous parler de la peinture. Alors, on a vu au départ que le prélaqué était à peu près à 25 microns de façon très générale, un système type et un système à 25 microns. En fonction des cas, on va voir qu'on peut avoir différents systèmes pour donner différents effets.
Alors, si je reprends notre schéma sur le matériau, alors on va avoir, comme je vous disais tout à l'heure, un primaire principalement qui va permettre, qui a comme première caractéristique de permettre l'adhérence entre le métal, qui lui est minéral et pas organique, et la finition, donc la couche supplémentaire qui va donner une couleur de finition. Et qui également, ce primaire, va apporter une protection contre la corrosion ou l'agressivité de l'environnement en général, donc la corrosion ou l'infiltration d'eau, car il va comporter des additifs permettant des agents anti-corrosion qui va permettre de renforcer encore cette caractéristique. Donc sur ce primaire, généralement, on va mettre une finition ou encore une autre couche de finition. On va parler simplement de la finition aujourd'hui. Cette finition, elle, apporte forcément la performance fonctionnelle, donc la durabilité des agressions qu'on a vues finalement dans les slides précédentes sur les agressions aux UV, à l'humidité ou les agressions chimiques, mais également forcément la performance ou le souhait esthétique. La couleur exacte que l'architecte souhaite sur le bâtiment ou l'aspect voulu, rendu. On verra des exemples juste après. Donc, le système peinture sur la phase de présentation extérieure va être sélectionné en fonction de l'agressivité extérieure et de l'esthétisme souhaité. Donc, on va avoir une épaisseur d'une couche, de deux couches, de trois couches, en fonction du besoin, et une composition chimique, donc une base chimique de la finition ou du primaire, spécifique en cas de besoin lié à l'environnement ou à l'esthétisme. Et enfin, on a la couche au verso du produit, qui est rarement visible, qui permet, donc on appelle un envers de bande ou un envers, qui permet l'adhérence des mousses, si on parle de panneaux moussés, ou renforce la tenue du système, c'est-à-dire que dans les phases de transport, d'installation, de fabrication, il faut protéger cette face envers pour éviter le départ de corrosion ou principalement de corrosion, avant la mise sur le chantier, donc finalement la mise à sec de cette partie-là, donc le côté envers de la façade ou de la toiture. Si on se focalise sur les peintures, le revêtement, dans les peintures, on va avoir trois constituants principaux qui vont apporter des caractéristiques différentes. On va avoir les résines. C'est la base, c'est ce qui fait le feuille de peinture physique qui va apporter une performance, donc une performance à la tenue chimique, aux UV, par exemple. Il va y avoir la grande famille des pigments qui vont être utilisés et mélangés pour atteindre une couleur bien précise ou un effet précis, métallisé ou irisé. Et les additifs, qui sont en plus faible quantité, mais qui vont apporter des fonctions ou une facilité d'application ou de transformation importante dans certains cas. Donc, si je vais voir chaque constituant, les résines, ou appelées liants également, vous allez voir sur les différentes brochures du métier de prélaqueur ou d'installateur, différents types de revêtements, donc les familles finalement de la chimie des revêtements, polyester, polyuréthane, PVDF ou PVC, pour citer vraiment les très grandes familles. Et elles vont être classées en fonction de leurs propriétés, de leur tenue aux agressions ou à l'environnement, donc tenue aux UV par exemple, chimique, et des caractéristiques d'épaisseur souhaitée finalement ou nécessaire pour obtenir les bonnes performances. Et une flexibilité. Alors la flexibilité est très,
très inhérente au pré-laqué par rapport au post-laqué, du fait que la transformation vient après la mise en peinture. Donc la peinture doit s'adapter au pliage, au cintrage, à l'emboutissage, et doit finalement permettre de faire des transformations plus ou moins importantes, avec des plis prononcés ou des emboutis assez profonds, tout en garantissant une tenue long terme après installation sur le bâtiment. Donc en fonction de l'application, donc si on a une tôle qui va être très prélaquée, qui va être très emboutie, dont on a besoin d'une flexibilité importante, donc on va aller chercher des technologies ou des bases chimiques qui sont plus flexibles de nature, donc type PVDF, polyuréthane, PVC majoritairement. Et si on va aller, si on est dans une période, une zone équatoriale ou une zone en montagne au-dessus de 900 000 mètres d'altitude, où on a une exposition à la lumière naturelle, aux UV plus forte, on va pouvoir, en fonction de la garantie souhaitée, de l'esthétisme, de la durée de conservation de l'esthétisme, on va pouvoir choisir entre un polyester, un polyuréthane, un PVDF, en fonction du résultat attendu et des garanties attendues par le client final. De GLS, non, rien, j'ai rien vu. Donc, à noter que pour les polyestères et les polyuréthanes... C'est comme ça ça se passe, ils en livraison, et puis après, il faut attendre le moment où ils vont. Est-ce qu'il est possible de couper le micro du monsieur qui parle? Ah, je pense que c'est bon. Donc, pour terminer, donc les polyestères polyuréthanes peuvent avoir une tenue aux UV de bonne à très très bonne, proche d'une... ou presque ou pas long, proche vraiment des PVDF, en fonction de leur de la formulation et de leur réticulation, des mécanismes utilisés. Donc il y a un large choix, on va dire, dans ce type de chimie de résine, là où les PVDF et les PVC sont au moins de possibilités, et finalement ont une caractéristique de famille déjà définie, non modulable. La deuxième grande famille, donc les pigments, qui vont donner forcément la teinte et l'esthétisme. Donc le choix est assez infini. De façon générale, un prélaqueur comme ArcelorMittal ou Arconic ou les autres confrères proposent un service de contre-typage, donc de mise à la teinte pour une couleur précise pour les architectes ou pour les clients le souhaitant, en plus des nuanciers connus standards type RAL, NCS ou autres, ou nuanciers fabricants. Les pigments ou aspects, alors on rajoute un petit peu peut-être d'additifs dedans, mais vont permettre aussi d'avoir des rendus différents. Donc on parle de la brillance, par exemple, hein, entre mat et brillant, de paillettes qui vont apporter un effet métallique ou irisé. Donc vous allez voir quelques exemples, quelques photos. Donc voilà, ici on voit par exemple en premier plan un revêtement qui est satiné, voire mat. Là où derrière on a une brillance un peu plus élevée. On peut avoir à l'intérieur d'un vernis sur un fond noir des paillettes qui apportent cet effet métallique clinquant à une surface. On peut avoir également en système également en trois couches, primaire, un fond et un vernis, dans lequel on va avoir des pigments qui vont venir changer de couleur en fonction de l'orientation. Ils vont apporter un changement de teinte en fonction de l'orientation de l'endroit où on regarde un bâtiment ou une pièce. Et on va également pouvoir, par le système d'impression, imiter d'autres matériaux, allant des bétons, des bois ou pierres. Vous voyez des exemples de bois ou de granit tout à droite, par exemple, avec un effet, avec un vernis qui peut être
soit très brillant pour avoir un effet granit type pierre très poli, ou un effet béton avec un vernis mat, très faible matité qui va apporter ce côté très naturel, très, très rêche, hein, qui va apporter comme une texture au matériau. En parlant de texture, également une gamme ou un ensemble de produits qu'on appelle texturés. Donc, cette photo montre bien les petites nervures, les petites ridules qu'il y a que la peinture crée à la surface et qui apportent une matité également très basse et permettant d'avoir un aspect plus naturel, moins industriel, plus proche de la nature. Enfin, les additifs. Alors, les additifs peuvent apporter des propriétés techniques supplémentaires, par exemple augmenter la tenue aux UV, aider au formage, au glissant finalement du produit dans les outils de transformation, et peuvent aussi apporter des fonctionnalités en surface. Donc, on va pouvoir ajouter des additifs, ou les fabricants de peinture vont ajouter des additifs pour avoir un effet déperlant, un effet repoussant les graffitis, peut avoir un effet de traitement des bactéries en surface. Voilà, il y a d'autres exemples radiatifs, donc utilisation de pigments spéciaux ou d'additifs qui vont permettre de ne pas emmagasiner la chaleur, mais plutôt de la restituer à l'environnement. Voilà, comme exemple. Je laisse la parole à Peggy. Ok, donc maintenant on va plutôt parler de la mise en forme de ce métal prélaqué et vous allez voir de belles photos de réalisation de choses qui ont été faites soit en aluminium, soit en acier. Donc ici, ben, typiquement un projet très, très impressionnant, la Cité du Vin à Bordeaux, réalisé avec des parements en aluminium de Ramax. Voilà, donc on passe à la suite. Ce qu'on a décidé aujourd'hui de vous montrer, c'est de prendre un exemple d'un bâtiment existant et de le décortiquer un peu pour pièce par pièce et de montrer les différentes parties de ce bâtiment et les matériaux qui ont été utilisés, sous quelle forme et à quel endroit. Donc c'est un centre commercial qui s'appelle les Océanides et qui, donc vous voyez la photo centrale où on voit donc le bâtiment côté parking avec donc des formes très onduleuses qui mixent des matériaux aluminium prélaqué, acier prélaqué et bois. Et puis on a d'autres parties de ce bâtiment, peut-être un peu moins prestigieuses, en tout cas un look plus classique, qui constituent l'arrière du bâtiment où on a donc des produits de façade plan ici à gauche, donc des lames. En bas à droite, des profils de bardage. Et puis, on fera un petit point aussi sur la toiture et d'autres produits qui sont utilisés aussi en intérieur de ce bâtiment. Donc voilà, on va commencer et vous montrer la possibilité qu'on a avec le métal prélaqué. Donc ici, vous voyez ces parties blanches brillantes. Ce sont des cassettes en aluminium. Donc elles permettent, comme vous voyez, des formes très particulières. Ce sont des cassettes qui sont réalisées sur mesure. On a une brillance assez importante de ces produits. Là, ensuite. Alors. Un petit rappel sur les cassettes. Bon, ici, plutôt parler un peu des cassettes métalliques, mais comme je l'ai montré sur ce projet, elles peuvent être aussi en aluminium. Donc, les cassettes métalliques, en général, elles sont destinées à être utilisées et démontrer des façades plutôt planes. Elles sont mises en œuvre par pliage, donc c'est un produit qui est fait à la main, et elles disposent généralement des systèmes d'encoche qui peuvent varier pour les fixer sur le support. Alors le support en question, bah, il peut être de la maçonnerie, il peut être du béton, il peut être du bois, j'ai noté mob, mais donc voilà, ça peut être de la façade bois. Et on a évidemment donc des murs aveugles ou des murs qui vont comprendre aussi des baies vitrées.
C'est adapté à toutes sortes de constructions. Donc ici, dans le cas de ce bâtiment commercial, on voyait une construction neuve, mais on les utilise également en réhabilitation, car en général, elles permettent de pouvoir être utilisées devant un isolant qui vient habiller une ancienne façade maçonnée ou en béton. Alors, dans le cadre de l'acier, ces cassettes sont validées par le CSTB par un cahier 3747 qui donne toutes les informations nécessaires sur le guide d'évaluation de ces ouvrages de bardage incorporant des parements traditionnels, clins, lames ou cassettes métalliques. Donc voilà, donc ce sont des produits qui sont normés. Alors, autre partie de ce bâtiment, donc une partie plus à l'arrière, qui montre ici une façade qu'on a voulu plane, mais quand même relativement très esthétique et assez chic, où on a là des lames qui sont pliées ou profilées, donc ça dépend un peu des produits et du fabricant. Alors, ces lames-là qu'on voit sur ce chantier, elles sont planes, mais elles peuvent être aussi en relief et elles peuvent permettre toute une infinité d'effets hein, avec des plis très particuliers. Donc voilà. Alors ici, on va vous montrer avec cette petite vidéo comment on plie une lame avec une presse à double tablier. Donc on incorpore donc la tôle et on a prévu évidemment à l'avance, on rentre le programme destiné à définir la forme de la tôle et on voit que voilà, c'est fait. Automatiquement, la presse plie avec les angles qui ont été définis au préalable pour former un produit avec différents types d'angles ou de formes. Voilà, petit exemple. Alors, ensuite, on a aussi la possibilité, quand on souhaite réaliser un bardage, quand on appelle en général un bardage double pot, hein, donc c'est-à-dire sur une ossature et une structure en acier, on a des solutions qui sont très économiques, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas jolies, hein. On a quand même aussi toutes sortes de profils qui permettent une liberté architecturale assez importante. Alors, ces produits de façade sont aussi standardisés, donc on voit cette partie de ce bâtiment qui concerne en fait les entrepôts, le stockage et donc l'arrière de ce centre commercial. Voilà, suite. Alors, petite vidéo aussi d'une ligne de profilage. Donc, le profilage, là, on engage une bobine prélaquée, hein, comme on l'a vu avant. On découpe des tôles à longueur, puis ces tôles vont rentrer dans des galets qui vont mettre en forme le produit. Donc, on voit ici la mise en forme de la tôle par ces galets de profilage. Et on sort donc ce profil, en l'occurrence qui est un profil de toiture, et on fait donc des paquets et le produit est prêt à livrer et à poser sur le chantier. Voilà. Alors, le profil, en général, comme je l'ai dit avant, on l'utilise sur une structure porteuse métallique, en général avec des systèmes de bardage, thermoacoustiques, hein, qui sont des doubles pots, voire parfois des triples pots. Alors là, en exemple, on a donc des plateaux perforés côté intérieur du bâtiment qui vont permettre une esthétique, mais qui vont permettre aussi de gérer l'acoustique à l'intérieur du bâtiment. On va avoir donc un isolant complémentaire qui va assurer l'efficacité énergétique de la paroi. Et on vient fixer au travers de cet ensemble le profil qu'on a vu avant sur les lèvres du plateau. Et donc on obtient ce système de mur. Une autre solution aussi, c'est d'utiliser le panneau sandwich. Donc ce sont des panneaux sandwich qui sont fabriqués aussi de manière continue avec plusieurs types d'âmes. Donc on peut avoir une âme en mousse, polyuréthane ou pire, qu'on signifie polyisocyanurate. On peut aussi avoir des laines minérales qui permettent au produit d'être classé incombustible. Ça peut être aussi intéressant dans certaines zones d'un centre commercial, hein, avec, en l'occurrence, quand on a des zones de stockage ou quand on a un bâtiment de grande dimension, on a des contraintes feu et donc on passe souvent sur des âmes incombustibles, laines minérales.
La pose peut être horizontale ou verticale. On a des fixations cachées ou des fixations visibles. On a une excellente étanchéité à l'air et à l'eau de ces produits. Et on va pouvoir retrouver différents aspects et évidemment différentes teintes, comme on l'a vu avant, puisqu'on utilise des parements de métal prélaqué. Donc là, on va avoir une pose très rapide en une étape. Alors, on a ici une ligne justement de fabrication d'un panneau sandwich. Donc, on commence par profiler, comme on l'a vu avant, on déroule la bobine, on profile. Donc, cette fois-ci, contrairement au profilage, on ne va pas couper les tôles, on va rester sur un produit en continu. On va donc avoir une tôle, enfin une bande mise en forme, et puis on va, à l'aide de systèmes de pompe, injecter entre les deux parements profilés. On voit ici une mousse qui va s'expanser dans un conformateur et donc l'épaisseur voulue sera obtenue en réglant la hauteur dans ce conformateur. Donc voilà, en fait, on passe dans le conformateur. Puis, à la fin de ce conformateur, on va découper les panneaux à la longueur demandée par le client. Vous voyez ici la lame de coupe. Et ces panneaux vont partir dans des systèmes de refroidissement, on est sur des produits qui sont généralement tièdes, et finir par être emballés ensemble pour être expédiés. Donc voilà, donc vous voyez là, ici on est sur des produits très spécifiques. Alors dans ce centre commercial, par exemple, ces panneaux, on va pouvoir les retrouver dans les chambres froides en général. Et dans les chambres froides, là on a aussi une norme très particulière qui définit l'utilisation de certains revêtements organiques, car là on est dans un produit qui va avoir des contacts avec l'agroalimentaire. Et donc, on a des nouvelles normes adaptées à ce produit qui vont permettre de faire le bon choix du bon revêtement en fonction justement de la sévérité en termes de nettoyage et de conditions de ces chambres froides ou de ces chambres de préparation alimentaire. Voilà. Alors, la toiture de ce centre commercial, elle est aussi réalisée en général avec un système de toiture généralement plate, on va dire, ou faiblement en pente. Donc, on va avoir... Ah, tu peux revenir juste un peu avant, Guillaume, voilà. On va avoir un système de support d'étanchéité en métal prélaqué qui est prêt à recueillir des isolants sur lesquels on va venir positionner une membrane bitumineuse et assurer ainsi l'étanchéité de la toiture. Donc, ce sont des concepts très utilisés pour les bâtiments industriels, les bâtiments commerciaux, les bâtiments de stockage, etc. Alors, slide suivant, on va voir des toitures plus traditionnelles. Donc là, on ne les retrouve pas sur notre centre commercial, mais on va pouvoir quand même utiliser le métal prélaqué aussi dans le résidentiel avec des systèmes de toiture métallique. Vous pouvez voir sur la photo de gauche. Ou des systèmes de joints de boue. Donc, on est sur un métal prélaqué qu'on va installer sur une volige, un peu comme le zinc, et qui va permettre d'obtenir des aspects de toiture, comme on en voit sur les toits de Paris, donc de toiture joints de boue. Alors, suivant. Alors, on a également la possibilité en toiture d'utiliser des panneaux sandwich. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs, la petite ligne et la vidéo qui montrait la fabrication d'un panneau sandwich correspondait justement à un panneau sandwich de toiture, où on va donc là être plutôt sur des systèmes de toiture en pente, avec donc le parement en métal prélaqué qui va assurer l'étanchéité de l'eau du bâtiment. Et on va avoir cette âme isolante qui, elle, va assurer les performances thermiques du matériau. Alors après, on a d'autres systèmes fortement demandés sur le marché français. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a en effet une réglementation qui s'est mise en place depuis quelques temps, qui impose qu'au-delà d'un certain, une certaine dimension de toiture, sur en tout cas les bâtiments commerciaux, industriels, etc., on va devoir utiliser des systèmes soit de toiture végétalisée, soit de toiture avec panneaux photovoltaïques. Et donc là, encore une fois, on peut utiliser notre matériau prélaqué qui va servir, comme vous le voyez ici sur ces systèmes multicouches, permettre l'étanchéité et permettre aussi de recevoir en tant que backporteur
l'entièreté de cette toiture et d'assurer toute sa fonctionnalité, que ce soit en termes d'étanchéité, de thermique et de production même d'énergie. Voilà, la suite. D'autres produits, en l'occurrence ici, en aluminium prélaqué, donc des chaînaux, des gouttières, des descentes, donc des produits qu'on retrouve aussi en construction de manière très courante, que ce soit dans le monde de l'industrie, mais aussi dans le monde du résidentiel. Donc voilà, toutes sortes d'accessoires prélaqués toujours. Alors là, on ne l'a pas vu sur notre bâtiment centre commercial, mais vous pourrez aussi constater que souvent, à l'approche d'un bâtiment commercial, il y a aussi un parking et on a aussi la possibilité d'utiliser en intérieur comme plancher du métal prélaqué. Donc ce métal prélaqué, comme vous pouvez le voir sur cette photo, va pouvoir être laqué à la teinte demandée par le client. Et donc, en l'occurrence, ça va nous permettre, dans le cadre d'un parking, de pouvoir différencier certains étages d'un parking, d'avoir un étage jaune, d'avoir un étage rouge, et de pouvoir aussi pouvoir s'y retrouver. Donc, ces matériaux-là en métal prélaqué, ils ont plein d'avantages. Ils permettent aussi de limiter les quantités de béton. Ce sont des produits qui sont manuportables. Donc, on va les installer, puis on va venir couler le béton ensuite. Donc, on a toute une logistique qui est relativement simplifiée. Et puis, on va pouvoir aussi avoir des performances feu avec ce genre de produit, ainsi que des performances acoustiques, puisqu'en général, à l'intérieur de ce bac, on va installer également soit une laine minérale sur laquelle on va venir couler notre béton. Donc, voilà une autre possibilité d'utilisation du métal prélaqué. Ensuite. Oui, alors ensuite... Peggy, on vous propose de finir par des réalisations pour vous montrer ce qui est possible, en tout cas tout ce qui a déjà été réalisé, les possibilités du matériau. Alors par exemple ici, une clinique à Nantes sur pose béton de cassette verticale, fabriquée en pliage, qui permet avec un jeu de calpinage finalement de venir jouer avec les fenêtres et perdre un petit peu la vue des passants. Des cassettes encore verticales, unicolores, RAL 9006, donc métallisées, qui permet dans certains moments de la journée de ne plus voir pratiquement le bâtiment du fait de la réverbération facile du côté métallique avec le côté métallique du ciel, par exemple, ou des alentours. On voit également que le prélaqué est utilisé pour fabriquer les volets. Et donc, quand le bâtiment est fermé, on ne remarque pratiquement aucune ouverture. Ici, un restaurant d'entreprise à Marcoul, où là, la caractéristique surtout, c'est les perforations, finalement, pour jouer avec la lumière durant les différentes étapes de la journée ou de l'année. Et permettent aussi de jouer un rôle de régulateur thermique tout en étant esthétiquement différent. Où là, en fonction des applications, comme on disait au tout départ, les rives ne sont pas laquées, hein, pas forcément de peinture, mais en fonction de la localisation du bâtiment, il est possible d'utiliser du pré-laqué et pas forcément du post-laqué. Encore un exemple, encore un Nantes d'ailleurs, en bardage écaille, posé également sur béton par pliage, qui permet donc d'apporter une esthétique complètement différente juste par la mise en forme, avec un coloris plutôt anthracite satiné, ici dans ce cas. Et là, d'autres lames. Donc Peggy expliquait tout à l'heure que les lames pouvaient être... pliées, pas forcément planes. Donc là, on parle de clins. On pourrait les appeler aussi lames, avec une légère, un profil qui vient par jeu de calpinage vertical horizontal créer également un esthétisme au bâtiment. Et également, je crois, deux couleurs cuivrées, donc un cuivre plutôt foncé, un cuivre plutôt métallique,
qui donne comme un côté brillant mat, finalement, à l'ensemble. Voilà, et puis après, pour terminer, en vous rappelant les caractéristiques du produit, donc vous pouvez demander une infinité de couleurs ou d'aspects, textures. Ici, vous voyez des exemples parmi tant d'autres. Des aspects qui peuvent attirer le regard, donner une réverbération, un effet miroir au bâtiment, ou un effet irisé, comme le siège de la société Cesbon à Angers, la boule sur le lac artificiel, ou avoir même un décor qui est imprimé de façon digitale et donné vraiment libre cours à toute envie d'un point de vue image, photo ou dessin. Des possibilités de mise en forme, alors également, ce sont que des exemples, on en a vu juste avant également, on peut profiler les panneaux avec des profils spéciaux, on peut cintrer les cassettes, comme au Camea Hotel en Allemagne, avoir une hauteur, une longueur de plaque assez impressionnante en Autriche, à Steinbauer par exemple, avec quelque chose de très massif, ou un jeu de couleurs et de taille de cassette pour donner des facettes au bâtiment, par exemple. Un matériau qui est également fait pour durer, avec une installation pérenne, une résistance aux UV et corrosion qui peut être adaptée en fonction des besoins. Un encrassement limité de façon générale et facile à nettoyer. Donc le nettoyage est comme le nettoyage d'une voiture, on va dire, il faut utiliser des karchers sous pression, mais pas trop proche, et ne pas venir rayer les surfaces, mais facile à nettoyer de façon industrielle. Un matériau qui est propre et économique, donc on l'a dit au départ, donc c'est une filière sèche en tout cas pour l'utilisateur. Donc sur chantier, une pose avec un pré-assemblage ou une pré-mise en forme avec une pose rapide sur chantier, des matériaux légers qui viennent en parement de l'isolant par exemple sur les systèmes de pose et des coûts de manœuvre réduits du fait de la rapidité de pose, la préfabrication en atelier. Et également le côté industriel, le laquage en continu, des quantités de métal ou de peinture réduites et des rejets ou des utilisations de matières les plus réduites possibles du fait de la l'industrialisation en continu. Et enfin, on l'a vu dans plusieurs exemples, une adaptabilité au projet. Tant en neuf, sur un projet à bâtir ou sur la réhabilitation ou la rénovation de bâtiments. C'est le cas du premier prix ECCA 2019 au congrès UNSFA, qui a remporté le prix avec une reconversion de friche industrielle à Soissons, où il a utilisé le prélaqué, donc en blanc sur l'habillage des pignons de toiture, et également dans son aspect multicouleur, offrant des teintes diversifiées, tout en ayant un prix très accessible et permettant de rénover un budget très bas ou très, très intéressant. Voilà pour la découverte du métal prélaqué. Merci à vous. Bon, merci. Merci Peggy, merci Guillaume. C'était très très complet, très documenté, avec des belles photos, des beaux schémas qui, j'espère, vous ont permis de mieux comprendre ce que c'était que le prélaqué, quels étaient ses différents domaines d'application et ses avantages. Vous pouvez en savoir plus ou en apprendre plus sur les deux sites internet de l'ECCA, soit le site français, soit le site européen.
Vous avez accès à différents types de guides, des petites animations. Il y a également une académie ECCA sur le site européen, si vous voulez en savoir plus. Et puis, on vous rappelle l'adresse email de l'association si vous avez des questions. Alors, si, on est un petit peu en retard, on a dépassé de quelques minutes. S'il y a des questions, je vous invite à les poser sur le chat. Ou alors, vous pouvez aussi désactiver votre micro pour poser une question aux deux animateurs qui se feront un plaisir d'y répondre. En tout cas, merci à tous pour avoir participé à ce webinaire. Et encore une fois, il a été enregistré, donc vous pourrez le revoir en intégralité. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Je ne vois pas de questions sur le chat. Il y a Evan qui nous dit que c'était très didactique et très intéressant et elle aimerait une version en anglais. Ça va nécessiter un peu de travail. Donc, pas de questions, Christophe, mais vraiment félicitations à tous. C'était vraiment super clair, super intéressant. J'ai appris plein de choses. Donc, vraiment félicitations. Merci, Evan. On va laisser encore 30 secondes s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Bon, bah ça avait l'air d'être suffisamment clair. Donc encore une fois, merci à tous les membres de l'ECCA pour avoir contribué et puis un spécial... remerciements spéciaux à Peggy et Guillaume. Bah écoutez, merci à tous et bonne soirée. J'espère que c'est le premier d'une longue série de webinaires qui sera organisé par le groupe français. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.